j'ai reçu un message de Shannon qui me dit « Coucou ma perfection !» Salut! Je te défie de faire Tokyo Ghoul, c'est mon anime préféré. Alors je connaissais pas du tout dessin animé, donc j'ai été regarder un peu la série, la saison 1. Faut avouer que c'est un peu gore, mais j'ai vraiment kiffé. Donc voici le héros de la série en version un peu plus féminine. C'est parti! On va d'abord cacher nos sourcils avec de la colle pour voir la vidéo qui parle de ça, je vous le mets dans le petit i. On va bien sûr attacher notre chevelure de licorne parce que Tokyo Ghoul n'a pas cette chevelure. Avec ceci. Donc, hop! Voilà! Merveilleux, n'est-il pas? On va commencer par dessiner les contours du masque de Kaneki-kun, le héros de la série, et le remplir de noir. Ensuite, on va dessiner les dents au niveau de la bouche. Et colorier en rouge la gencive. On continue par faire quelques détails de la gencive, c'est-à-dire là où partent les dents, pour donner un peu plus de réalisme à ce masque. Et avec une peinture argent, on va colorier les pièces métalliques. Ainsi que la fermeture au niveau de la bouche. Pour les yeux, j'ai repris les couleurs du masque, c'est-à-dire du blanc en touche lumière, du rouge en base et du noir en creux de paupière, avec bien sûr l'eyeliner. Je ne suis pas youtubeuse beauté, donc on fait comme on peut. Ensuite, je me suis battue avec ma perruque qui n'est plus de la première fraîcheur afin de faire quelque chose d'à peu près coiffé. Donc j'ai décidé de lui faire quelques petites couettes pour rappeler le caractère étudiant de Kaneki. Sans oublier la lentille rouge sur l'œil qui n'est pas masqué. Et voilà ce que ça donne. Pour le costume, j'ai choisi une veste en cuir. Pour pas qu'on voit la peau, on va aller un peu plus loin avec le noir, comme ça lorsque je ferme ma veste on ne voit plus rien. Je vais pas la fermer jusqu'au bout parce qu'il fait très chaud. J'espère que tu as aimé ce make-up. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et surtout à partager ce petit Tokyo Ghoul. N'hésite pas à activer la clochette pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et dis-moi si ce défi est réussi ou pas. N'hésite pas à m'envoyer tous tes défis en barre d'infos. Je les regarde tous, je les fais tous, mais avec plus ou moins de temps. Et je te fais d'énormes poutous. Bye! Alors voyons voir ce que ça donne avec les cheveux roses. En plus, je commence à perdre ma couleur à force d'aller me baigner. Ça fait très gueule.